Omer Pim est le garçon du film. Je vous propose tout de suite de regarder un petit film d'annonce de cette nouvelle série. Voilà 5 ans que mon père a disparu en plein tournage d'un film. Une adaptation des voyages mythiques d'Ulysse. Ce jour-là, tout s'est effondré. Même la police a renoncé à le chercher. Pour mes 12 ans, on m'a offert en cadeau Bibi Joe, une gerbille très spéciale qui m'a conduit dans un monde parallèle, peuplé d'êtres extraordinaires. Je viens de découvrir l'impensable. Mon père est prisonnier du monde qu'il a créé. Je sais que c'est une histoire de dingue, qu'il est difficile de me croire, et pourtant c'est la stricte vérité. Avec mes meilleurs amis Lilou et Sacha, on va devoir faire preuve de ruse et de courage pour libérer mon père. D'autant qu'il n'est pas le seul à être bloqué dans le mauvais monde. Alors, votre ancienne série, c'était Oxapologue, 3 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Celle-là, Omer Pim et le garçon du film, nouvelle série en 2 tomes. Et alors là, on a vu la bande-annonce, j'ai voulu la diffuser parce que c'est vrai que le livre est écrit comme un film. Ah ben oui, puis en plus ça se passe dans un film. Ça se passe dans un film, même la présentation, il y a les bandes de, ouais. de films sur les bords de la page. C'est quoi le rêve, c'est de le voir porté à l'écran aussi? Eh ben on espère, ben, tout auteur, on espère. Alors la trame de fond, c'est la mythologie grecque. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là? Ben, c'est quelque chose qui nous inspire et puis on voulait surtout parler d'Ulysse en fait, les voyages mythiques d'Ulysse. Et on s'est dit que dans notre vie moderne aujourd'hui, ben, Ulysse avec les gens qui partent de chez eux, qui n'ont plus de terre, retrouver sa terre, c'était quelque chose de... ça passait autant dans notre film que dans la réalité. C'est un thème d'actualité, en fait. C'est d'une certaine façon, on glisse de l'actualité dans un livre pour la jeunesse et on les fait réfléchir à ce qui se passe actuellement dans le monde avec les migrants. Surtout qu'il y avait, par rapport à Ulysse, il n'y avait personne. Et chez les migrants, quand on leur demande les papiers, ils n'en ont pas. Et en fait, ils sont personne puisqu'ils n'ont pas de papiers. Et ça a un rapport avec Ulysse. Et pour nous, c'était une bonne idée, quoi. Alors, il y a aussi le rapport enfant-parent qui était présent déjà dans votre ancien livre, mais qui était plus destiné déjà à des ados un peu plus âgés. Mais là, on a aussi cette notion de dialogue perdu ou peut-être d'acte manqué entre parents et enfants. En fait, on adore ça. On aime bien partir de la vie réelle, hein, de ce qu'on vit tous les jours avec sa famille, ses parents. Et voilà. Et là, le père, l'absence du père, puisque Ulysse a disparu, hein, Ulysse et les 3 jeunes qui sont dans ce livre ont tous un petit problème avec leur père. Et voilà, nous on aime bien. En même temps, quand on est enfant, on est tous persuadés qu'on a un problème avec nos parents et qu'on est trop bien pour nos parents. Enfin, je ne sais pas qui autour de cette table. On n'est pas les vrais enfants de ses parents. Alors, vous écrivez à 4 mains. Je pose chaque fois la question, parce qu'en fait, chaque fois à la lecture, je me dis comment on peut écrire une histoire aussi dense, aussi compliquée, à 4 mains. Sans que ça se sente. Sans que ça se sente. Ouais. Et puis surtout, je me dis, elles ont dû s'étriper quand elles l'ont écrit, c'est pas possible. Au départ, enfin, il y a très longtemps. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus linéaire, on se prend moins la tête. Elle est avouée, elle n'est pas venue non. Parce qu'en fait... non, mais en fait, si on ne le sent pas, c'est parce que déjà on parle beaucoup et on fait des allers-retours. Et à la fin de l'histoire, il y a toujours Anne qui lisse. C'est tout son rôle, elle lit. Elle fait la relecture. Hein. C'est ça, et on ne sent pas. Il ne faut pas qu'on sente. Mais ça veut dire que c'est comme un scénario de film. Vous vous réunissez et vous décidez en fait de l'architecture et ensuite vous commencez à rédiger, c'est ça? Comme un storyboard, comme au cinéma. On met tous les ingrédients dedans et ensuite Anne commence toujours par romancer l'histoire qu'on a oralisée. Et ensuite on se passe les versions et on fait des allers-retours. Et alors... Il y a quand même des recherches à faire par rapport à l'histoire d'Ulysse, ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a une qui est plus collecte d'informations et l'autre qui est plus dans le scénario? Vous avez des spécificités ou pas du tout? On est toutes les deux très curieuses et bon, l'Odyssée, on s'en rappelait puisqu'on l'a étudié en 6e. Et non, on est curieuses. En fait, dès qu'on a une info, on se la donne et on se dit « ouais, là, c'est intéressant ». Et parfois, c'est intéressant, mais on ne peut pas le placer, donc on ne le met pas. Mais on a appris des choses.
Alors, c'est un livre destiné aux jeunes. Lorsqu'on écrit un livre destiné à la jeunesse, est-ce qu'on a un devoir ou est-ce qu'on se met la pression en se disant, voilà, il faut que ce soit pédagogique, il faut quand même qu'on leur fasse apprendre quelque chose? Parce que c'est un peu la mode, même quand on fait une émission télé, on se dit, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'on apprenne des choses. Est-ce que c'est la même chose pour un livre? Qu'il y ait du sens, oui, mais c'est du bon sens d'adulte, en fait. On peut tout dire à des enfants, des ados. Après, c'est la façon de le dire. Et évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas noter, voilà, parce que ça appartient pas à leur monde et puis ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, on peut parler de tout. Sauf que là, il faut nuancer, il faut doser, il faut, voilà, un peu sucré, un peu. Mais puis le côté pédagogique, c'est juste du bon sens, en fait. Et donner l'envie de lire, déjà. Oui, donner l'envie de lire. Le plaisir de lire, quoi. Alors là, c'est, chez les enfants, il faut quand même dire, il y a la couverture qui fait qu'on a envie de lire. C'est vrai que lorsqu'on a une couverture. Qui donne envie. Qui donne envie. Vous, le côté visuel, c'est quelque chose qui vous attire aussi en dehors de l'écriture? Ah oui, oui. Plus moi qu'Anne, puisque j'ai réalisé le teaser. Mais ça, c'est juste le goût de créer et le goût des images. Ça vous donne envie de faire des courts-métrages, de faire des choses comme ça? Ah oui, mais je pense que... Oui, ça, c'est... Parce que moi, en lisant le livre, j'avais l'impression parfois aussi qu'il y avait un peu l'univers de Tim Burton, quand on parle des grands personnages, les proportions. Il y a des jeux sur les proportions dans les personnages, l'infiniment petit, l'infiniment grand, qui me faisaient penser énormément à Tim Burton. Et je me suis dit... Quand même, pendant tout le film, on a ces bandes de cinéma qui nous suivent. Elle l'a écrit comme un film. Enfin, elles l'ont écrit comme un film. C'est la réalisation, c'est la prochaine étape. C'est pas possible. On espère, on attend. Ça a été envoyé aux États-Unis. On attend. C'est plus facile avec les Américains, le fait d'avoir. Carrément. Ah ouais. Ah ouais. Mais on a eu le cas pour Roxa Polo qui avait été acheté par le producteur de Twilight. Ça ne s'est pas fait parce qu'on n'était pas américaine et parce que on n'était pas encore traduite en anglais. Maintenant, on est traduite en anglais. Vous êtes américaine maintenant? Non, même si parfois les gamins pensent que je ne suis pas française. Mais voilà, il y a une série télé par contre française qui est en cours pour l'ancienne série, mais le film a été abandonné. Alors, en tous les cas... C'est pour quel âge? Alors, Homer Pym, on va dire à partir de 10 ans. Ah, génial.